Bonjour à tous, je suis très fier aujourd'hui de vous accueillir à 228 litres, le bar qui a été réalisé en association avec Ideal Wine. On vous présente aujourd'hui le domaine de la semaine Alexandre Bain. C'est un domaine qui est situé à Tracy-sur-Loire en appellation Pouilly-Fumée. On aime beaucoup ce domaine ici, c'est un véritable ovni. On n'a pas du tout l'habitude normalement de goûter des Pouilly-Fumée de cette facture. On pense généralement à des sauvignons blancs aromatiques. Mais vraiment très tendu sur le buis, sur le caractère variétal, tout l'inverse des vins d'Alexandre Bain. Il considère que les sauvignons doivent être récoltés à forte maturité. On pense en goûtant les vins presque à du chenin blanc, d'Anjou par exemple, c'est ce que ça m'évoque brièvement. C'est des vins avec du gras, de la matière, le côté fruits exotiques également. Mais en fait, on redécouvre un autre Sauvignon blanc totalement différent. Les vins sont tellement atypiques, sans soufre ajouté, et avec justement ces maturités totalement différentes, que ça a valu à Alexandre Bain d'être mis au banc de l'appellation pendant un moment. La situation est en train de se régulariser, mais vous découvrirez ces vins étiquetés en vin de France. On présente deux cuvées. Mademoiselle M, qui est un Sauvignon blanc vraiment dans le style Alexandre Bain, absolument superbe, sur les fruits exotiques avec une superbe chair, c'est parfaitement équilibré. Et la cuvée Eldange, c'est près de 36 mois d'élevage. Alors c'est vraiment du cas par cas pour les élevages chez Bain. Celle-ci apporte vraiment de la puissance par rapport à Mademoiselle M. On a un petit peu de macération également. En tout cas, c'est la sensation qu'on a à la dégustation. Donc un petit peu plus de puissance. Mais deux vins absolument étincelants qu'on vous conseille aujourd'hui. Des vins un petit peu funky, mais qui nous plaisent énormément. Merci beaucoup.